La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est canal pas pour même qui remet l'évangile ou même qui cherche un sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Bonjour mes frères et sœurs en Jésus-Christ, et je suis content de vous saluer en ce moment de prière et de méditation. Quelle que soit l'heure où vous nous écoutez, nous vous saluons et nous prions que chacun soit béni par la parole de Dieu, par la louange et l'adoration. Nous vous invitons à chanter avec nous et ce cantique pour pouvoir entrer dans notre méditation et notre temps de prière. Sauveur éternel, Dieu toi fort saint, Dieu tout puissant, nous sommes prosternés en ta présence en ce moment pour réclamer ta grâce et ta miséricorde envers nous. Merci parce que tu nous as fait grâce en Jésus-Christ et tu nous as donné la vie. Merci pour son sang versé pour nous et merci pour toutes les grâces que nous bénéficions de toi. Nous sommes venus en ta présence pour te chercher, pour te trouver, pour te servir, pour te louer, pour te glorifier. Parce que tu es digne de gloire, tu es digne de toute gloire, de tout honneur, de toute puissance. Dès, Père, nous recevoir en ta présence et accepter notre louange, notre prière et notre adoration. Nous te demandons, Père, de nous ouvrir les yeux à travers ta parole, de nous guider à recevoir cette parole et à laisser cette parole, Seigneur, nous instruire, nous guider et nous conduire. Bénis tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Accorde la grâce à tes enfants, à tes serviteurs, que ta parole soit la lumière qui éclaire leur vie, qui éclaire leur conscience, qui éclaire, Seigneur Dieu, leurs œuvres sur la terre. Car toi, tu es la lumière. Toi, tu es le chemin. Toi, tu es la vérité. Toi, tu es la vie. Toi, tu es la porte. Toi, tu es tout ce dont nous avons besoin ici-bas pour vivre pleinement, vivre heureux en toi. Daigne-nous bénir et bénir tes enfants. Accorde-nous, Seigneur Dieu, de pouvoir te chercher et te trouver et nous soumettre à ta volonté souveraine. Nous t'adressons cette prière au nom et par le mérite de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Yeah.
Eh bien, nous cherchons, nous besoin. Nous te cherchons, nous avons besoin de toi. C'est l'essentiel de la musique que nous venons d'écouter. Je te cherche, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ton affection. Donc, c'est ce que nous avons chanté, c'est ce que nous voulons chanter. Car vivre pour notre Dieu, c'est notre plus cher désir. Et nous allons maintenant méditer la parole de Dieu dans Psaume 34, verset 11. Et nous saluons tous les amis et du groupe Contemplation Divine. Nous saluons Pasteur Claude, nous saluons tous les autres pasteurs qui nous apporte la parole par ce groupe et tous les membres de ce groupe. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous écoutez en cet instant. Je prie que Dieu vous accorde une grâce spéciale. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. La semaine passée, nous avons médité sur le verset 10e qui insiste un petit peu sur le rapport de partenariat auquel Dieu nous convie. Nous exerçons la crainte et le respect pour Dieu. Dieu, de son côté, accomplit ses promesses envers nous. C'est automatique. Ce n'est pas notre comportement de mendiant qui fera agir Dieu. Un père responsable pourvoit aux besoins de ses enfants, point barre. Mais un enfant arrogant qui méprise son père risque de souffrir un peu pour réduire son arrogance et l'amener à se soumettre. Si nous ne pouvons rien faire sans Dieu, nous devons compter avec lui dans la connaissance, dans l'obéissance, dans la crainte, ou le respect et dans l'amour. Le verset 11 nous confère une pleine assurance en sa bonté. Nous fonctionnons dans le royaume d'un Père bienveillant. Un royaume, une des caractéristiques d'un royaume, c'est la richesse. Une des caractéristiques du royaume, c'est la richesse et la gloire. La richesse et la gloire. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Quelle assurance! Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Chercher l'Éternel veut dire quoi dans le langage biblique? C'est un langage spirituel. Dieu est esprit. On ne peut pas chercher Dieu comme on cherche un être humain, comme on cherche un objet caché. Une des mauvaises sensations qu'on peut avoir ou sentir, c'est lorsqu'on cherche quelque chose à tue-tête et qu'on ne puisse le trouver. On cherche sa bourse et ne pas pouvoir la trouver. On cherche avec empressement la clé de son auto, ou tout autre véhicule sans pouvoir la trouver. Une des bonnes sensations qu'on éprouve, par contre, nous vient quand on a le privilège de trouver ce qu'on cherchait. Il y a un homme qui cherche une femme pour faire sa vie et vice versa. On cherche toujours quelque chose ou quelqu'un. Il y a un homme qui cherche une femme et vice-versa, il y a une femme qui cherche un homme. Diogène passait sa vie à chercher un homme nuit et jour. Et en plein jour, il avait une lampe à la main pour chercher un homme. Je ne sais pas, malheureusement, s'il a pu en trouver un. Salomon avait trouvé un homme sur 1000. Malheureusement, il n'a pas trouvé une femme sur 1000.
Je ne sais pas si la tendance demeure ou a progressé avec le temps. Je ne peux pas désapprouver celui qui était plus sage que moi et qui connaissait les femmes mieux que moi aussi parce que il en avait 1000. Mais je sais que Jésus peut restaurer la vie de ses serviteurs et de ses servantes. Quand on voit les gens de loin, on suppose qu'ils sont meilleurs que nous. Mais quand on les approche, on est déçu. Ils ne sont pas tellement différents que les autres, quel que soit leur nom et leur titre. Chercher Dieu, c'est tout à fait différent. On cherche Dieu à travers ses préceptes. On cherche Dieu à travers ses lois. On cherche Dieu à travers ses promesses. C'est ainsi qu'on cherche Dieu. On cherche Dieu par notre obéissance, par notre humilité, par la connaissance de sa parole et de sa volonté. En pratiquant tout ce que Dieu a prescrit, ainsi on cherche Dieu. En mettant à l'Esprit Saint, en permettant à l'Esprit Saint de produire en nous le bon vouloir et le savoir faire pour la gloire de Dieu. Nous cherchons Dieu. Mais il faut reconnaître que Dieu nous cherche aussi. Dieu cherche des enfants qu'il aime, des enfants qui veulent bien écouter sa voix pour déposer sa grâce, pour déposer son onction, pour transmettre une mission, pour transmettre une responsabilité. Je cherche quelqu'un à bénir aujourd'hui. Serais-tu cette personne-là? Suis-je cette personne-là? Dieu trouvera-t-il en nous la disposition nécessaire pour pouvoir confier, eh bien, des projets énormes, des responsabilités énormes pour sa gloire? Es-tu disponible? Est-ce que Dieu peut t'utiliser? Es-tu prêt à être utilisé pour la gloire de Dieu? Jérémie chapitre 29, verset 13. Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je vous ai montré qu'on ne peut pas chercher Dieu comme on cherche un homme, car Dieu est esprit. Et puisque Dieu est esprit, nous ne pouvons pas le voir avec des yeux physiques, mais nous pouvons voir Dieu à travers sa parole, à travers ses préceptes, à travers ses lois, à travers tout ce que Dieu nous permet d'apprendre de lui. Comment il réagit. On peut voir Dieu à travers ses promesses. Oui, nous pouvons voir Dieu. Nous pouvons chercher Dieu à travers ses promesses, à travers les promesses de Dieu. Ses promesses sont certaines. Si nous demeurons fidèles, si nous demeurons obéissants et attachés à lui, nous allons le trouver. Et trouver Dieu, c'est trouver le bonheur. Trouver Dieu, c'est trouver la paix. Trouver Dieu, c'est trouver la joie. Trouver Dieu, c'est trouver la satisfaction réelle que nous pouvons vivre ici-bas. La satisfaction réelle que Dieu dispose pour ses enfants. Dieu veut bien nous bénir ce matin. Dieu cherche quelqu'un à bénir. Quelqu'un à commissionner, quelqu'un à qui, eh bien, déposer son onction, ce qui déposer son onction. Serais-tu cette personne-là ce matin, ou bien ce soir, ou bien ce midi, quelle que soit l'heure? Es-tu disponible pour Dieu? Dieu cherche un cœur qu'il aime. On cherche Dieu. Mes amis, avec son cœur. Ce n'est pas avec des yeux naturels, mais on peut chercher Dieu avec son cœur.
Si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est de tout votre cœur. On cherche l'Éternel avec son cœur. Un cœur que Dieu ne veut pas partager. Il ne veut pas partager ce cœur. Dieu ne veut pas partager sa demeure en vous avec quelqu'un d'autre. Il est suffisant. Il est immanent. Il est transcendant. Il peut gérer ta vie. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel sont les gens les plus heureux sur la terre. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Les lionceaux, Dieu ne veut pas parler des lions ou des petits lions. Dieu veut parler des gens riches, des gens aisés de la société. Les gens les plus haut placés de la société, les gens les plus riches de la société peuvent manquer quelque chose. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Les gens les plus aisés de la vie, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas trouver. Ils manquent de quelque chose. Ils peuvent manquer de quelque chose. Il y a certaines richesses qu'ils peuvent manquer. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Les gens intelligents, les gens riches, les gens qui sont plus aisés que vous, les gens à qui la vie accorde beaucoup de choses, ils peuvent manquer de quelque chose. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. J'espère un autre jour pouvoir mieux détailler pour vous cette question de les lionceaux éprouvent la disette et la faim, pour vous aider à comprendre tout ce que vous pouvez jouir dans le Seigneur. David dit au psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, chaque jour, j'aurai ce qui est nécessaire pour la journée. L'Éternel fait ce qui est nécessaire pour notre santé, pour notre mentalité, pour notre vie spirituelle, pour notre état mental, pour nos besoins quotidiens, pour nos études, pour notre formation, pour tout ce dont nous avons besoin pour jouir de la vie et de sa grâce. Que le Seigneur vous aide à comprendre et à saisir l'immensité de sa grâce, l'immensité de son pouvoir, de sa bonté, de son amour pour vous. Et combien il peut vous aider et combien il veut vous aider. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous aimes. Et tu fais pour nous des grâces excellentes. Tu accomplis dans notre vie des choses dont nous n'avons jamais espéré. Tu fais pour nous plus que ce que nous avons espéré parce que tu es vraiment merveilleux. Merci, cher Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes refaits. Merci parce que tu pourvois à nos besoins. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui te cherchent ne sont privés d'aucun bien. Donne-nous l'attitude, le désir, la volonté pour te chercher et pour vivre à ta gloire. Bénis cette journée. Nous te prions au nom de Jésus, notre Sauveur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Eh bien, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite de passer une agréable journée, une bonne semaine sous sa protection bénie. Et c'était votre ami et serviteur, Pasteur Joël Cazot, qui a médité avec vous. Bonne journée, bonne semaine.